Allez, on monte la bûche pralinée, insert chocolat noir, ça va être trop bon. On s'occupe d'abord du tapis décor. Donc j'ai gardé un petit peu de crème fouettée en fait pour pouvoir faire un bicolore. Donc j'en mets une petite partie sur mon tapis décor. Et ensuite avec ma petite spatule coudée, je lisse tout ça jusqu'à avoir un décor qui me paraît plutôt propre. Et je viens le mettre dans mon moule bûche. Et je vais mettre ça un petit quart d'heure au congélateur pour que ça fige et que les mousses ne se mélangent pas. Ensuite, je vais pouvoir ajouter donc de la mousse au praliné. Donc, je t'ai mis toutes les recettes sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph. N'hésite pas à aller voir là-bas, tu as tout en détail. Donc, je mets bien de la mousse pralinée sur mon tapis décor, sur les extrémités du moule, un peu plus au fond. Et ensuite, je démoule mon insert chocolat noir qui, lui, est congelé. Donc, je ne traîne pas, je me dépêche. Je l'insère le mieux possible, centré, c'est mieux. Et on vient remettre de la mousse pralinée pour finir le tout. Ensuite, on va pouvoir ajouter le biscuit brownies qui a cassé. Mais ce n'est pas grave, regardez. On va le tasser et ça ira quand même. Voilà, donc je viens bien tasser, bien appuyer en fait sur mon biscuit. Et pour que tout soit à niveau. Et on va pouvoir mettre ça au congélateur comme ça toute une nuit. Et on se retrouve pour le démoulage.